Allez, c'est parti, vous l'attendez tous. Et bah là, c'est le moment en fait d'appeler le gagnant de la petite série 7. Je suis comme vous, j'ai plus d'infos, mais j'ai surtout son prénom. On va l'appeler, on espère qu'il réponde. Et puis bah c'est parti, on va le découvrir tous en même temps. Ça sonne. Oui, bonsoir, c'est Mathieu. Oui. Si je te dis que c'est William au bout du téléphone, est-ce que ça te parle? Oui, William, oui, tout à fait. D'accord. Donc bah moi je me permettais de t'appeler parce qu'on a eu un mail par lequel tu aurais peut-être pas reçu ta pochette et ta centaurette. Donc tu l'as bien reçu. Bon bah déjà c'est la bonne chose, je voulais être sûr que tu aies tout reçu. Donc c'est peut-être une erreur sur le mail. Ou à moins que ce soit un mail envoyé par un huissier me stipulant que tu avais gagné une petite série 7. Non, sérieux? Eh bah sérieux, oui, je suis sérieux. J'ai gagné la même série. Donc c'est pour ça, voilà. Donc voilà pourquoi je t'appelle. Là, en fait, on va couper la partie de la vidéo, on regarde en off et on revient après et je vous explique un peu comment ça se passe. Passionné de l'auto depuis toujours, moi c'est William. Après plus de 20 ans de passion dans l'automobile, j'ai décidé de créer ma propre émission sur des projets fous dans le monde de l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers les Youngtimers, mais aussi vous verrez mon nouveau garage et allez découvrir l'ensemble des véhicules que l'on me confie pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans l'émission William Garage. On est de retour en fait sur la partie du garage. La petite série 7, ça y est, le retour est fait du contrôle technique. Elle est toute prête. On a appelé le gagnant juste avant. Et c'est aujourd'hui qu'il vient chercher la voiture directement. Il va découvrir l'envers du décor. On va lui présenter la voiture, faire un essai et en même temps avoir un peu comment est-ce qu'il a découvert ce petit concours. Et surtout son ressenti suite à l'essai de la petite série 7. On l'attend, il ne devrait pas tarder. Je pense que là, c'est le moment. On l'attend tous. Vas-y, entre. Salut, William. Enchanté. Mathieu. C'est ça. Et bah, ça a été la route. Impeccable. Bon, et bah là, comme vous voyez, on est tous pareils. Vous découvrez en même temps que moi le visage. Hein. Bon, allez, je l'avais découvert un peu. On a préparé un peu d'administratif, comme on dit. On fait le tour ensemble. Donc, tu vas découvrir un peu le garage. Ouais. On va un petit peu t'embêter avec ça. Puis, je pense qu'il y a quelque chose que tu veux voir. Exactement, j'attends avec impatience. Là, la petite série 7. Donc déjà, toi, c'est la première fois que tu la vois. En vrai, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quoi ton premier ressenti quand tu vois la voiture? Waouh. Ah. Je sens qu'on va s'amuser. C'est le bon petit waouh. On va prendre le temps, on va faire le tour ensemble de t'expliquer un peu la voiture. Ouais. Là, elle a vraiment eu tout son process pour que tu puisses repartir sereinement avec. T'es abonné par rapport à ça, mes comptes. Mais tu nous en as parlé un peu au téléphone. Mais en gros... C'est quoi? Pourquoi est-ce que tu es arrivé là? Comment Allez. Bah écoute, moi j'ai découvert ta chaîne William Garage au départ, les vidéos de l'Alpine. Ouais. Et puis ensuite il y a eu la vidéo où tu récupères la voiture chez la boiserie et je me suis dit, faut que j'essaye. Voilà. Bon bah t'as bien fait d'essayer. Je suis curieux, t'as pris un pack, 10 packs, plein de packs? Eh bah écoute, un. Bon bah c'est l'essentiel. Une centaurette pour une voiture. C'est quand même pas mal du tout, honnêtement. J'ai eu 2-3 voitures Youngtimer, on en a parlé, une Porsche 944, etc. que j'ai pas pu garder malheureusement. On verra avec celle-ci. Bah ça, au moins t'auras que l'embarras du choix de voir ça. Là, on va faire le tour et tu vas voir, hein, elle est ressortie de son petit contrôle technique. Ouais. Honnêtement, c'est une voiture, j'ai envie de dire, qui a du chien. Parce que voilà, hein, quand on la voit, on ne peut pas passer inaperçu. Alors pareil, tu vois le petit tour extérieur de la voiture. Quand tu regardes la carrosserie proprement dit, on n'y a pas touché. On a amélioré 2-3 éléments, mais sinon ouais. Esthétiquement, la peinture, quand je l'ai eue, elle était comme ça. D'accord. Donc c'était vraiment un travail qui avait été fait avant par la boiserie. Ouais. Donc toute l'équipe à Lucien, ils sont occupés de ça. Moi, ce que j'aime bien sur cette voiture-là, ces générations-là, la face avant, alors moi j'ai le rappel avec The Squall, mais elle a une tête. Quand tu regardes pareil, quand on la suit un petit peu sur la série 7, ça c'est des petites touches, hein, ça a été remis en noir brillant et autres. Toute la partie vraiment extérieure, c'est vrai qu'on n'y a pas du tout touché. On a énormément travaillé sur l'intérieur. Et puis alors, quand sur la série 7, tu te balades un petit peu, alors l'arrière, c'est pareil, 730i. C'est carré, c'est massif. Une petite vidéo qui s'est baladée où tu peux emmener un corps tranquillement dedans. Et pareil, sa petite signature, l'échappement. Quand je vais la démarrer tout à l'heure, tu vois, c'est sympathique, comme on dirait. Donc là, hop, toutes les parties intérieures. Donc dedans, en fait, la voiture, ce qui est sympa, on a vraiment entièrement rhabillé la voiture.
La petite finition, on peut enfin dire que c'est une voiture avec de la boiserie. Oui. Voilà, avec cette référence-là. Alors, pareil, quand on l'avait eu, le ciel de toit, tu vois, il était propre. Ouais. On n'a vraiment que toutes les parties basses. Ce qui est rare sur ce genre de véhicule. Ouais, honnêtement, le ciel de toit pas décollé. Il s'en était déjà occupé. Ouais. Mais par contre, tout le reste, j'avoue, c'était complètement dévoré. Voilà, là après, on lui a redonné un look. Moi, j'aime bien aussi, c'est le logo BM à l'ancienne qui est vraiment sur le petit cendrier. Ouais, ça pose bien, ça, je trouve ça joli comme tout. Lui, c'est celui-là que je préfère. Mon petit don't touch. Là, ça l'a changé complètement. Pareil, tout ce qui était, bah, il y avait toute la partie arrière, éclairage, etc. On n'avait plus que les coquilles vides, j'ai envie de dire. Mais voilà, là, c'est pas mal du tout. On a fait l'extérieur, on a fait l'intérieur, ouais. Jusqu'au coffre. On va peut-être aller voir le moteur. Ouais, ça va être pas mal. Hop. Bon, allez, c'est parti. Donc ça, voilà, un capot à l'ancienne, tu l'emmènes vers l'avant avant de le basculer, parce qu'il y en a qui cherchent. Hein. Le fameux 6 en ligne. Voilà, exactement, le 6 en ligne. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai jouet. Moi, c'est quelque chose que j'aime, les 6 cylindres. De temps en temps, on n'a qu'un 4 cylindres. Bon, mais pas trop sur BM, même si sur du moderne, on est en train de tomber sur 3 cylindres. Bon, allez, on n'a rien dit. Ouais. Donc là, bah, c'est pas mal. Et bah, maintenant, il n'y a plus qu'à la démarrer. Je pense que tu dois attendre ça avec impatience. On y va. Bah, c'est parti. Allez, à toi de démarrer. Bon, alors, t'en dis quoi? Là, ça fait du bruit. Wow. Ouais, puis elle est bien. T'as un peu de gabarit par rapport à moi, donc t'es pas trop mal. Hein. Faut pas qu'on prenne plus petit. Non, il faut pas plus petit. Une série 3, ça ira pas. Je te guide le temps de la sortir, et puis bah là, on va aller se faire un petit essai, avoir ton ça ressenti. Marche. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, je vais parler un peu fort. Hein. Ah, ça le fait. C'est excellent. Bon, la 4 voies, elle s'arrête après. Hein. Déjà, ouais. Et puis, on en a un, tu vois, qui a recoupé là-bas. Oh là 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 là. Oh, ça devient un jouet, en fait, tu vois. En boîte automatique, ça doit plus mouliner. Ça doit être... C'est un veau. C'est moins sportif, relancer, ouais, parce qu'il faut... voilà, y a, avec le convertisseur de couple... C'est mou, mais sinon... Mais là, non. Bon, ça y est, le petit essai, il est fait. Bah, j'espère que ça t'a plu. Ah, c'est vrai, impeccable. Donc là, la petite voiture, j'aurais coutume de dire, tu la valides ? Je valide. Bon, bah ça, c'est pas mal. Et bah voilà, donc là, ça se termine là-dessus. Je te laisse tranquillement y aller. C'est là-dessus que se termine la vidéo. Vous étiez nombreux à savoir et à vouloir savoir qui avait gagné, en fait, la série 7. Bah c'est Mathieu, je lui souhaite bonne route avec ça, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez et surtout abonnez-vous.